Alors bien sûr, des styles graphiques, des effets spéciaux comme celui qu'on est en train de mettre au point, il en existe qui sont déjà tout faits sur le web et qu'on peut télécharger et utiliser. Mais c'est pas mal de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'en plus, ça vous permettra de modifier ce que vous téléchargez. Alors, là, on est en train de travailler sur quoi? Sur la ligne de texte qui est sélectionnée et spécifiquement sur ce fond-là qui est sélectionné. Ça, c'est super important. Si vous êtes comme ça, et là je clique en dessous, rien n'est sélectionné dans la palette aspect. Ça veut dire que vous travaillez sur tout. Et pour ce qu'on veut faire, c'est pas bien. Maintenant, on veut travailler sur le fond d'en dessous. Il faut réellement le sélectionner comme ça. Le mettre en surbrillance, comme ça on appelle. Parce que l'effet qu'on va aller chercher se mettra uniquement sur ce fond-là. Alors allons-y. Menu effet en haut de l'écran. Effet distorsion et transformation. Alors, j'ai parlé depuis le départ de décalage. Il existe un effet qui s'appelle décalage, bien sûr. Mais en fait, ce n'est pas celui-là qu'on va utiliser. Décalage, c'était le terme graphique que j'utilisais. En réalité, ce qu'il va nous falloir, c'est un effet de transformation. Je veux décaler le fond du bas par rapport au fond du dessus. Je vais lui appliquer un effet de transformation. Vous pouvez cliquer sur OK directement. Rien ne s'est passé. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'effet, il est là. Il a été mis sur le fond. Et vous le voyez quand vous ouvrez le fond là. Voilà. Et vous cliquez sur l'hyperlien transformation si vous voulez modifier l'effet qui a été mis. Et la boîte s'ouvre à nouveau. Et alors ici, vous allez pouvoir décaler un déplacement. Dans la transformation, ce qui nous intéresse, c'est la partie déplacement. Et je vais indiquer par exemple 2, touche tabulation, 2, touche tabulation. La case aperçue est cochée, oui, on voit que ça s'est décalé de 2 mm vers le bas et vers la droite. Parce qu'en fait, c'est par rapport au point d'origine sur la page qui est en haut à gauche, le 0,0. OK. Donc là, vous avez déjà réussi à faire un décalage sur le texte, c'est déjà pas mal. J'ai supposé que 2 et 2 étaient des valeurs qui fonctionnaient chez vous, sinon, faut mettre autre chose, hein. Toujours en ayant la ligne de base sélectionnée. Oui, parce que c'est le piège. Si avec la flèche noire vous avez cliqué à côté et que la ligne, donc avec la flèche de gauche là vous avez cliqué à côté et la ligne n'est plus sélectionnée, voilà comme ça, vous arrivez malgré tout à retourner dans la palette aspect, cliquer sur transformation, mais si vous mettez n'importe quoi ici, ça ne va avoir aucun effet puisqu'il n'y a aucun objet qui est sélectionné. Voilà. Je viens de mettre 6 et 6 à la place de 2 et 2. Rien ne change. Non, il faut vraiment que ce soit sélectionné avec la flèche de gauche là au-dessus, la flèche noire. Et là, quand on clique sur transformation et qu'on va modifier, ça va vraiment avoir un effet. Voilà. Le fond s'est davantage décalé. J'enregistre le document pour ne pas perdre ça.